Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus, vous qui avez bien voulu, vous qui avez bien pu vous déplacer pour participer à la célébration de l'ordination épiscopale de Mgr Hildevert Mathurin Mwanga. C'est une grande joie, non seulement pour le diocèse de Kinkala, qui accueille son nouveau pasteur, non seulement pour toute l'Église de Dieu qui est au Congo, qui voit l'un de ses fils accéder à une lourde responsabilité au sein de l'une de ses confessions religieuses, l'Église catholique. Est né le 27 mai 1966 à Amo, actuel Madia, République du Congo, d'une famille chrétienne. Le 7 juin 2014 à 2020, il devient recteur du grand séminaire de théologie Cardinal Émile Gayenda à Brazzaville. Après la présentation du futur évêque, le consécrateur principal demande à ce que l'on fasse la lecture de la lettre apostolique du pape nommant le futur évêque. Cette bulle nous sera lue par l'abbé Brice Ibombo, secrétaire général de la conférence des évêques du Congo. Suivant.
faut rectifier, c'est pas la veuverie, ça. Ma majoris nationalis cardinalis Emilius Biayenda in Archbishop Zambia Pongo me usala Gloria. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Yandine Fili Samounou, Nakuta. Va entrer dans un dialogue avec Monseigneur le porte. La règle très ancienne de l'Église, qu'en présence du peuple, il soit demandé à celui qui va devenir évêque s'il s'engage à maintenir son intégrité, le dépôt de la foi, selon la tradition reçue des apôtres, toujours et partout tenu dans l'Église. Oui, je le veux. Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ, qui est l'Église, et demeurer dans son unité avec tout l'ordre des évêques sous l'autorité du successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec les prêtres et les diacres, les collaborateurs de votre ministère, prendre soin comme un père du saint peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut? Oui, je le veux. Impose les mains sur la tête de Monseigneur Hildevert Mathurin Mwanga et à sa suite tous les évêques présents. C'est par ce rite qu'est transmise la charge que Jésus a confiée aux apôtres de l'Inde.
pasteur qu'exerce les évêques auprès du peuple chrétien qui leur est confié. Le symbole de la houlette du pasteur qui veille sur le troupeau. La crosse épiscopale reprend donc le symbolisme évangélique de Jésus, bon pasteur. En le saisissant, au moment de l'investiture, l'évêque accepte son rôle de guide et de protecteur du peuple chrétien. Recevez le bâton de pasteur dans lequel l'Esprit-Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. Prise de possession canonique. L'Église, mère de toutes les églises du diocèse, celle où l'évêque a son siège. Les vœux d'obédience. Les vœux d'obédience. Bien-aimé de Dieu. Non. Le plaisir. Le nouvel évêque reçoit ensuite une chaleureuse accolade de la part de tous les évêques présents en signe de son entrée dans le collège des évêques successeurs des apôtres. Bien-aimé de Dieu, après le baiser de paix, nous passerons au vœu d'obédience. Tous les prêtres du diocèse de Kinkala, ici présents. Yeah.
cette ordination épiscopale, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange. Donne efficacité par ta grâce à l'action que tu nous donnes d'accomplir, sans que nous l'ayons, et pour la multitude en rémission des péchés. Seigneur, agisse en eux et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ni Bobo, ni Bobo, ni Babiba, d'un département de poule, ni Kyokishidi, Lusakumunu, Lobambuta, Za Kukizunga Kieto, Kalupul. Ta lande. Va être conduit par Monseigneur Daniel, évêque d'Imfondo.
le jour où je suis consacré évêque du diocèse de Kinkala. Aimez ce que je ressens. Permettez-moi tout simplement de m'acquitter d'un devoir. À Dieu soit la gloire, la louange et l'honneur. Coronavirus qui sévit dans notre monde. C'est lui qui m'a fait le prophète. Je puis m'écrier, qui suis-je donc, Seigneur? Et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies conduit jusqu'ici? Je savais, comme écrivait cet Ambroise de Milan, que je n'étais pas digne d'être appelé à l'épiscopat. Et je suis sans aucun doute le moindre de tous les évêques et le plus pauvre en mérite. Mais puisque moi aussi j'ai entrepris quelque travail pour ta Sainte Église, prends soin des fruits de ce travail. Alors, comme la multitude d'anges de l'Apocalypse, des vivants et des anciens, je m'écris encore, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Dieu qui prend soin de son peuple et le gouverne avec amour, donne ton esprit de sagesse aux évêques que tu as chargés de le conduire, pour que la connaissance de tes fidèles dans la foi fasse leur joie en ton royaume. Toi qui diriges nos vies par ta puissance et mesures le nombre de nos jours, regarde avec bonté notre faiblesse et fais-nous vivre dans la paix que toi seul peux nous donner. Amen. Veille avec bonté sur les biens que tu m'as accordés par ta grâce, toi qui m'as appelé. Yeah.
cette salle. On va arrêter de chahuter.